Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 4 novembre se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il s'agira d'un exercice de vitesse 1200 mètres en ligne droite. Voici ma sélection pour cette compétition qui rassemblait des chevaux confirmés sur les parcours réduits. J'ai placé en tête numéro 4 Xénophane qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome du Croisé La Roche. Le cheval compte une victoire et une place de 3e en deux sorties sur la ligne droite de Maison Lafitte. Il revient ici dans les handicaps avec une belle chance. Je lui poserai numéro 9 Calrissian qui a terminé 2e de la course référence, le prix des honnêtes, un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il a 10 ans mais il est toujours un gambe. Il devrait pouvoir confirmer sa dernière sortie. Le 13 Bariz, qui est toujours à la recherche d'un premier quintet mais qui reste sur deux podiums consécutifs, preuve de sa compétitivité à ce niveau et de sa forme du moment. Le 10 Labella, compagne d'entraînement de Bariz, qui a terminé seulement 8e du handicap référence du prix des honnêtes, mais ce qui à ce jour-là finit correctement, une bonne fin de course, encourageante. Et Labella peut prendre sa revanche sur plusieurs de ses adversaires dernièrement. Le 5, c'est Fred Laloupé, que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Le cheval peut se targuer d'avoir gagné une liste race sur cette distance il y a 2 ans, un cheval qui a de la qualité malgré un poids limite. Il n'a à mon avis plus de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Il doit pouvoir tenir honorablement son rang, même si c'est vrai qu'il effectuera une course de rentrée, il n'a pas couru depuis le mois d'août. J'ai également retenu numéro 12 Darling Storm, 3e de la course référence, à lui de confirmer. Le 2 Chef OK, qui n'est autre que le lauréat de ce prix des honnêtes dont on parle depuis le début de cette émission, un succès qui lui a valu d'être remonté de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs, même en avis. Ce numéro 2 garde son mot à dire pour l'obtention d'un accès site. J'ai également retenu le numéro 1 Gengis, c'est vrai qu'il devra porter pas mal de poids, c'est vrai aussi qu'il n'a pas gagné depuis un an et demi, mais à mon avis, dans ce lot, il peut venir corser les rapports du quintet plus. Résumé chiffré pour ce quintet prix duré, le 4, le 9, le 13, le 10, le 5, le 12, le 2 et le 11. Suite du programme à Maison Lafitte, d'ailleurs le critérium de Maison Lafitte sera l'un des temps forts de cette réunion. On y retrouve au départ Chamal, un cheval très estimé par Yann-Marie Porzier. 2 courses pour lui, 2 victoires. Le cheval monte ici de catégorie avec la ferme intention de préserver son invincibilité. Il a été à chaque fois impressionnant et convaincant lors de ses premières apparitions publiques, le 507 Chamal. Je lui poserai le 504 City Monet et le 511 Souvenir de Londres, respectivement affichés 2e et 3e du prix d'Arenberg, un groupe 3. 507, 4 et 11 dans la réunion 2 à Bordeaux. Dans la deuxième, on dégagera la candidature du 206 Choloïsa qui a terminé 4e en débutant sur le pont d'Auteuil. Le cheval se déplace ici dans le sud-ouest avec une belle chance d'ouvrir son palmarès, c'est le 206 Choloïsa. Compagnon d'entraînement, le 401 Gillo qui a gagné pour sa rentrée. Après un an d'absence, un cheval qui a de la marge, il a un bon programme, il trouve ici l'occasion une nouvelle fois de franchir le poteau en tête, l'opposition largement dans ses cordes. Le 206 et le 401, mais deux coups à tenter, pourquoi pas gagner en placé pour cette réunion bordelaise, réunion 2. Dans la quatrième, je lui opposerai au 401 le 401 Vincenzio qui vient d'ouvrir son palmarès sur la piste qui nous intéresse, à savoir Bordeaux, et le 406 Gallostar qu'il convient de racheter au regard de ce qu'en dit son mentor, 401, 405 et 406. Enfin, dans la cinquième, on retrouve au départ le 505 Master Blaster, deuxième en débutant sur ce... deuxième encourageant à l'occasion de ses débuts. Le cheval trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès, c'est le 505 Master Blaster. Dans la 7e, 2 chevaux me semblent se dégager du lot, le 705 Lucky Luke et le 707 Usuelo qui possèdent les meilleures valeurs théoriques de ce petit peloton, et à mon avis il devrait pouvoir le démontrer sur la piste. Donc course ciblée à Bordeaux en réunion 2, la 2e, la 4e, la 5e et la 5e. Concernant Vincennes en nocturne, eh bien j'ai repéré la présence d'Allurefort, c'est une candidate en retard de gain. Elle n'est pas à l'abri d'un cartade, mais si elle est sage, elle doit pouvoir remporter une épreuve de cet acabit. D'ailleurs, l'écurie de Christian Bijon semble en mesure de réaliser une superbe nocturne, notamment une nocturne fructueuse. Il faudra donc surveiller de près et protéger. Excellente journée à tous, rendez-vous demain.